Là, j'ai déjà commencé la récolte depuis le 1er octobre de ce mois. Donc, j'ai les courges, j'ai les amarantes, et vous voyez déjà, ça donne la semence. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir avec la récolte, mais c'est bon. Avec ici il y a des salades, parce que ce sont des salades. J'aime beaucoup le jardin, moi. J'aime le champ, le jardin, tout. Donc il y a... Là, c'est de la salade, hein. Je vais vous montrer encore ici où j'ai presque fini avec donc la récolte de maïs. Ok, venez, come. C'est harvest time. Harvest time. Ok. No, time to take the harvest. Yeah. This one. So, ça c'est presque la dernière phase de la récolte de maïs. C'est la récolte de maïs. Bon. Take, yeah, that's the baby. Baby. Okay, stand there and say hi to my friend. Look at the camera and say hi. Hi. Say it's harvest time. Harvest time. Good. Alors, ici j'ai les haricots. Ici j'ai les haricots. Donc, de ce côté, j'ai déjà récolté de ce côté, vous voyez. Partout ici, j'ai déjà fait la récolte. J'ai déjà fait la récolte partout ici. Mais ce qui me reste, la grande partie qui me donne encore plus de joie, c'est cette partie de salade. Alors, j'arrose. Il ne faut pas attendre seulement la pluie. Il faut arroser aussi. Comment je fais la récolte des courges, les kiboibois, la récolte des courges. Okay. Fait. La récolte a déjà commencé. En tout cas, les kiboibois, bichoucha. C'est-à-dire, ça chouche les ougali, bichoucha, puisque ça chouche les ougali très très bien. Wow, très très bien. Alors, on finit par ici.